Non, dialogue et moi. Hello à tous, nous revoici aujourd'hui, donc dimanche 5 juillet 2020, pour un retour de course donc qui sera assez différent des autres. Donc je vais commencer par éteindre le ventilo parce que je pense qu'il fait un bruit du tonnerre, donc je ne suis pas sûre que vous m'entendrez. Donc je vais éteindre le ventilateur. Voilà, maintenant une fois que c'est fait, vous voyez que j'ai mis mon joli bandeau Madras aujourd'hui, donc ce n'était pas dans un but d'acheter forcément antillais, mais le hasard a fait que le jour où j'ai mis mon bandeau Madras, j'ai fait mes courses en fait ailleurs que dans les grandes enseignes d'alimentation de type Auchan ou Carrefour où j'ai l'habitude d'aller en général. Hier samedi, jour des courses, en fait, je me suis occupée de mes cheveux, donc c'était le jour du Wash RD et ça m'a pris tellement de temps que ensuite les magasins d'alimentation étaient fermés, donc je n'ai pas été faire mes courses ni à Auchan ni à Carrefour. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai dimanche matin. Donc quand je me suis réveillée ce matin, j'ai tellement eu la flemme que du coup, au moment où je suis partie pour faire mes courses, tout était fermé, tout ce qui est Auchan, Carrefour était fermé. Donc je me suis dit, bon, les marchés ferment un peu plus tard, ils ferment en général à 1h, enfin à 13h. Donc je me suis dit, je vais au marché, sauf que j'avais prévu d'aller à celui de Mérignac-Mont-Désir. Et puis je me suis dit, je suis plus proche de Pessac, pourquoi ne pas tenter le marché de Pessac-Centre? Et j'ai bien fait parce que du coup, je suis tombée sur deux stands antillais, donc j'étais ravie, j'étais contente, je m'y attendais pas du tout. Et donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai mis mon bandeau Madras aujourd'hui, qui est le tissu le plus utilisé aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique. Et c'était pas dans le but d'acheter antillais, mais finalement le hasard a bien fait les choses. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Donc j'ai commencé par le stand qui s'appelle La Belle Créole. Là-bas j'en ai eu pour 20 € et je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, à La Belle Créole, j'ai acheté, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement, j'espère que vous verrez bien. Donc, j'ai trouvé des pommes cannelle, donc j'en ai pris 3, et j'ai trouvé des pains à la viande de bœuf. Donc, j'espère que vous verrez bien, parce que j'ai mis le trépied un peu haut aujourd'hui. J'espère que vous verrez bien, regardez-moi comment ça a l'air bon tout ça. Donc, j'ai pris 4 à la viande, ça me rappelle un peu les meat pie que j'ai acheté à Joy Exotique la dernière fois, donc le magasin d'alimentation du Nigeria, sauf que cette fois-ci c'est à La Belle Créole et c'est antillais. Donc je connais plutôt les friands à la viande, mais les pains à la viande je connais pas, donc je vais tester pour la première fois. Donc voilà, par contre les pommes cannelle je connais et ça fait juste depuis 2016 que j'en ai pas mangé, c'était lors de mon dernier voyage en Martinique. Donc là j'ai été ravie d'en trouver, je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est un carnage. Donc bon, c'est pas des fruits et des légumes, c'est pas non plus des aliments non transformés, mais bon. Je vous ai déjà dit, quand ça vient d'un magasin afro-antillais, je pense que je vais faire avec, parce que c'est pas forcément évident de trouver des produits non transformés, vu que c'est pas ce qu'il y a de plus rentable pour ces magasins. Donc pour les magasins afro et antillais, je prendrai des produits non transformés. Transformés, pardon. Voilà. Donc j'ai acheté ça, mais pas que. J'ai également acheté de la sauce Belle Créole, donc c'est une sauce qu'ils font eux-mêmes, c'est de la fabrication artisanale, c'est au piment et au gingembre. Aïe, 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 aïe. Franchement, ça sur du poisson ou de la viande, aïe, 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 je pense que je vais me régaler. Donc voilà, ça s'appelle Belle Créole, puisque c'est le nom du stand, et piment gingembre. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a toujours, j'ai toujours du mal avec le retour, je ne sais pas si vous voyez bien, là je rapproche, en espérant que ça ne sera pas flou. Voilà, donc ça c'est de la sauce piment,
Et ensuite, j'ai de la sauce chien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rassure, il n'y a pas de chien dedans. C'est juste le nom d'une sauce qui vient de chez nous aux Antilles, qui est faite avec le couteau qui s'appelle couteau chien. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle sauce chien. Il n'y a pas de chien dedans, je vous rassure. Donc, celle-là, il faut y aller mollo parce que normalement, elle est bien pimentée. Donc, voilà. Et j'ai aussi des beignets de banane qui ressemblent aux alocos que je sais déjà faire. Hein. Donc j'en ai pris, j'en ai trouvé, donc j'en ai pris. Voilà, j'en ai eu pour 20 euros pour tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la belle créole, le premier stand guadeloupéen que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé un second stand qui s'appelle Manger Pouzotte. Je vous ai mis un petit extrait de ce stand-là en début de vidéo. Donc c'est encore un stand guadeloupéen, j'en ai eu pour 11 euros chez eux, j'ai eu droit à une dégustation d'accras au roquefort. C'est la première fois que je mangeais des accras au fromage et c'est vraiment... Enfin, quand il m'a dit, le vendeur, accras au roquefort, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Les accras, en général, c'est soit aux légumes, soit aux protéines, donc soit crevettes, soit morues, soit poissons. Mais viande, je ne connaissais pas, et encore moins fromage. Donc j'ai goûté, aïe aïe aïe, c'est vraiment fou. Ben, c'est délicieux, c'est tellement bon que j'en ai pris. Et j'ai goûté également aux acras de morue, donc super bon. Et j'ai eu droit donc à mon petit verre de planteur. Alors au début, je ne voulais pas trop parce que je me suis dit, il fait chaud. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai même la buée sur les lunettes, tellement j'ai chaud. Et je me suis dit, le planteur, je conduis, il fait déjà chaud. C'est peut-être pas une bonne idée. Et puis, franchement, il me faisait envie. Donc, au final, j'en ai pris. Et voilà. Donc, j'en ai eu pour 11 euros. Donc, c'est moins que la belle créole. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, chez Manger pour Pouzotte, j'ai pris donc des acras et des samoussas. Ils font les deux. Les deux stands font également des vrais plats. Ils font du rhum, bon, qu'on dit arrangé ici, mais que chez nous on appelle plutôt planteur, poncho coco, schrob, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il n'y a pas encore de sorbet, mais je les ai tellement emmerdés pour qu'ils en fassent que je pense que ça viendra, surtout qu'il fait tellement chaud en ce moment que bah, ils ont tout intérêt à en faire hein, dans les deux stands. Donc, pour les acras. J'en ai pris à la morue, à la crevette, au roquefort et au poulet. Et les samoussas, donc il y en a un, c'est de lardon fromage. Il y en a un autre, je crois que c'est camembert, ou bien c'est camembert lardon, je ne sais plus. Il y a poulet, il y a bœuf et le quatrième, alors là j'ai un doute, je ne sais plus. Je sais qu'il y a poulet, je sais qu'il y a bœuf, il y en a un qui est peut-être au roquefort aussi et l'autre camembert lardon. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup, hein. Tout ça pour 11 euros. Donc voilà, il y a vraiment vraiment de quoi faire. Hein. Donc si vous voulez faire des apéros ou des dîners comment ça se dit? Dîner. Des apéros dînatoires, je crois qu'on dit ça comme ça. Vous pouvez en acheter chez eux et je pense que vous avez ce qu'il faut. Voilà, c'est quand même une belle assiette bien remplie. Je ne vais pas manger tout ça en une fois. Entre ça et ce que j'ai acheté chez la Belle Créole, je pense que j'en ai pour la semaine. Donc voilà, donc c'était ma découverte. C'était la première fois que j'allais au marché de Pessac Centre, qui est quand même plus proche de chez moi que celui de Mérignac-Montdésir ou même celui de Mérignac Centre. Et donc je suis assez contente. Je sais qu'à Mérignac-Montdésir, il y a un vendeur martiniquais. Il faut absolument que je teste son stand. Je suis passée quelques fois en allant au sport devant son stand, mais il n'est pas là tous les samedis. Non, c'est les dimanches. Il n'est pas là tous les dimanches, donc il faudrait que que j'y aille et puis que je vois s'il est là ou pas. Mais bon, c'est quand même plus facile de se garer pour aller au marché de Pessac que celui de Mérignac-Montdésir. Donc voilà, et celui de Mérignac Centre, c'est le samedi. Et c'est vraiment la galère pour se garer. Donc si j'y vais un jour, ça sera en tram. Il faudra que je vois s'il y a des stands antillais ou africains. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'était le marché de Pessac. Et je n'ai pas fini. Donc au marché de Pessac, je suis tombée aussi sur un stand de fruits et légumes. Donc j'y suis allée tellement tard que j'ai eu... Alors, il y a tout ce sac-là de poivrons. Voilà, donc il y a des poivrons rouges, un peu jaunes, verts.
il y a quand même tout ça pour 2,50 €. Franchement, je pense que ça vaut le coup d'aller au marché plutôt qu'au supermarché, hein, parce que, bon, après, il n'y a que des poivrons, hein, j'ai pas de, plein de fruits et légumes, enfin, pas de légumes, pardon, mais le prix est vraiment, 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 enfin, c'est même pas comparable à ce qu'on trouve en supermarché, quoi, donc, voilà. Je pense que j'y retournerai assez souvent maintenant. Et comme je suis une acheteuse tellement adorable, je souris, je suis gentille, je suis polie, eh ben, je suis repartie avec... Ah, j'ai même du mal à soulever tellement il y en a, tout ça gratuitement. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a quand même tout ce plateau de fruits. Donc, dedans, j'ai de la pastèque, j'ai des abricots, des nectarines, de la tomate. Donc, ce sont les fruits abîmés. Bon, en général, ils les donnent soit gratuitement, soit à un prix vraiment cassé. Mais là, bah, j'ai eu tout ça gratuitement. Il y en a pour, je pense, largement plus qu'une semaine. Je vais m'éloigner un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ça, c'est au marché de Pessac. Et c'était la première fois que j'y allais. J'étais tellement bien reçue que j'y retournerai assurément. Voilà, je vous montre la suite des courses. Alors, donc j'ai poursuivi mes courses à Africa Kafumaru, hein, vu que j'étais déjà à Pessac Centre et que Pessac Sèche, c'est vraiment à même pas 3 minutes de Pessac Centre. Donc j'ai continué là-bas. À la base, c'est pas là que je voulais faire les courses du jour. Je voulais retourner sur Bordeaux, mais il fait chaud, j'avais la flemme. Il est déjà tard, donc je me suis dit, je suis déjà à Pessac, je suis à côté. En plus, à Africa Kafumaru, vraiment, ils sont super achalandés, il y a de tout. Donc, en plus, ces prix, il me semble que parmi les 6 épiceries afro que j'ai l'habitude de faire, c'est quand même les meilleurs prix. Donc, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc, j'en ai eu pour 72,10 €. Donc, voilà le ticket. Donc, j'ai pris du lait de coco à 3,50 €. Donc, encore une fois, c'est super bien parce que tout ce qui est épicerie, il y a les étiquettes dessus, ce qui n'est pas le cas de toutes les épiceries afro. Moi, je suis pour les étiquettes sur les prix. C'est bien pour pouvoir comparer par la suite. Donc, ensuite, j'ai pris du jus de goyave, donc à 2,10 €. Voilà. Donc, là, il y en a 1,5 L. Donc, encore une fois, je suis partante pour les produits non transformés, mais là, avec la chaleur, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une bouteille de jus, de boisson dans le frigo. Malheureusement, il n'y a pas de goyave, je ne trouve pas de goyave ici. Donc, il faudrait que j'aille faire un tour chez Grand Frais pour voir si eux, ils en ont, mais il ne me semble pas qu'il y ait de goyave fruit ici à Bordeaux. Donc, j'ai pris de la boisson, voilà. Donc ça, c'est 2,10 €. Ensuite, j'ai mes flocons d'avoine à 2,80 €. Donc c'est le meilleur prix pour les flocons d'avoine en boîte que j'ai trouvé. Cette semaine, je n'ai pas acheté d'œufs et je n'ai pas de levure chimique. Donc je vais tenter les bowl cakes sans les œufs et sans la levure. Et si ça ne donne rien d'intéressant, je vais faire des porridge que je ferai la veille pour le lendemain, comme ça ils seront au frigo, donc ils seront frais, rafraîchissants pour l'été, ça sera bien. Donc là, c'est 500 g de flocons d'avoine, 2,80 €. Ensuite, j'ai trouvé de la levure de boulanger, donc j'ai envie de tester une recette, donc j'ai pris de la levure de boulanger. Normalement, j'aurais dû prendre aussi de la farine de boulanger, mais j'en ai pas trouvé. Donc, soit j'attendrai pour tester ma recette, soit je tenterai avec de la farine normale. Et en fonction du résultat final, j'attendrai peut-être la semaine prochaine pour acheter de la farine de boulanger. Donc là, il y en a 125 grammes et ça fait 1,90 €. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du baobab en poudre. Hein. Donc, je vous avais montré une fois que j'avais acheté des infusions à base de baobab, donc j'avais bien aimé. Donc, cette fois-ci, j'ai pris du baobab pour me faire de la boisson à base de baobab. Donc, ce sont les boissons qu'on retrouve en Afrique en général et plutôt au Sénégal. Enfin, c'est là que j'ai découvert. Donc, il y a le jus de bissap, donc j'ai du bissap, donc je vais pouvoir en faire.
Il y a le jus de gingembre, donc j'ai du gingembre, je vais pouvoir en faire. Il me manquait juste du baobab pour faire de la boisson à base de baobab. Donc là, il y en a combien de grammes? 200 grammes. Donc je vais chercher une recette quelque part et je vais tenter. Donc c'est quand même c'est plein de glucides hein, mais pas de sucre, donc ça va, et il y a des protéines mais pas de gras, donc bon, je vais tenter parce que là avec la chaleur, donc j'ai mon jus de goyave, mais je vais tenter aussi de me faire des boissons rafraîchissantes africaines. Voilà, donc là je vous ai dit 3 euros. Ensuite, j'ai acheté des fruits, donc là j'en ai pour 8,98 €. Je pense que ce sont donc des avocats. Donc j'en avais acheté la première fois que j'étais allée chez Africa Kafumaru. Donc c'est des avocats géants. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça revient à 4,50 € l'avocat. Il faut savoir que dans un seul avocat comme ça, vous pouvez tenir plus d'une semaine. Hein. Le premier que j'ai acheté, il m'a fait largement plus d'une semaine, tellement ils sont gros, ça n'a rien à voir avec les avocats que vous trouvez en supermarché normal, qui sont tout petits, il n'y a quasiment rien à manger. Ceux-là, ce sont des géants. Ben, regardez par rapport à ma main. Hein. Voilà. Donc j'en ai pris deux parce que ça se conserve en plus super longtemps et ils sont bons. Franchement, ces avocats-là, c'est les mêmes qu'on trouve aux Antilles, donc ceux qui sont vraiment goûteux. Mûrs à point comme il faut, franchement, et en plus qu'ils se conservent. Donc ils sont mûrs, donc on peut les manger maintenant, et en plus ils se conservent longtemps au frais. Rien à voir avec les avocats d'ici qui sont soit pas mûrs du tout, soit quand ils sont mûrs, c'est limite trop mûr. Donc voilà. Ils sont chers, mais ça vaut largement le coup. Donc ensuite, j'ai racheté de la mangue. Donc celle-là m'a fait 2,26 €. Donc je vous confirme que les fruits et les légumes chez Africa Kafumaru et dans toutes les épiceries afro, c'est au kilo. Donc c'est pas tout le temps le même prix, c'est normal. C'est pas comme chez Auchan où c'est 2 € la pièce. Là c'est au kilo. Donc celle-là elle est mûre à point. Elle sent bon. Elle est moins jolie que la toute première que j'avais achetée, mais regardez, elle est molle. Donc elle sera. Je pourrai la manger de suite. Donc celle-là m'a fait 2,26 €. Et ces mangues-là sont super bonnes. Ensuite, 1,76 €. J'ai racheté du gingembre parce que ben j'en ai plus du tout. J'avais acheté la dernière fois un grand paquet de gingembre qui m'a duré très longtemps. Donc là, je veux utiliser à la fois pour manger le matin au petit-déj ou au goûter avec mes fruits et aussi pour faire ma boisson à base de gingembre. Donc là, contrairement à chez Auchan, des fois, il y a des coupures. Voilà, là c'est le fruit entièrement avec toute son enveloppe. Il y en a beaucoup. Donc là j'en ai eu pour 1,76 €. Voilà, ensuite j'ai racheté de la banane plantain. J'en ai eu pour 1,60 €. Alors peut-être que c'est la banane plantain qui fait 1,76 €, je sais pas. Et peut-être 1,60 € le gingembre. C'est l'un des deux, vu qu'il n'y a pas les prix dessus et qu'il n'y a pas non plus, c'est pas marqué. En détail, donc c'est l'un ou l'autre. Soit c'est la banane plantain qui fait 1,76 €, soit 1,60 €, ou soit c'est le gingembre, l'un ou l'autre. Donc j'ai pas repris de gingembre africain parce que bon, le goût n'était pas extraordinaire contrairement à ce gingembre-là. C'était à peu près la même chose et en plus c'est tellement petit que pour gratter la peau c'est la galère. Donc je prends le gros gingembre, c'est plus simple. Donc la banane plantain, j'en ai pris peu parce que je me suis rendu compte que je mange essentiellement ma banane plantain en aloco, donc frite dans l'huile. Et donc, c'est hyper calorique. Donc là, en en prenant peu, j'espère avoir le courage de les faire à l'eau parce que c'est hyper bon pour la santé, mais cuit dans l'huile, je suis pas sûre. Donc voilà, j'en ai pris que 3 mûres à point comme d'habitude. Elles sont super bonnes, les bananes plantain mûres. Ensuite, donc j'ai repris des cosmétiques aujourd'hui parce que ben, je me suis rendu compte que j'avais du shampoing, de l'après-shampoing, tout ce qui est gel, crème, j'ai. Par contre, du leave-in, j'en ai pas. Donc j'en ai profité d'être chez Africa Kafumaru pour voir ce qu'eux, ils avaient en cosmétiques. Hein, puisque la dernière fois, j'avais acheté chez Alice Beauté à Bordeaux. Donc là, j'ai pris.
D'abord, des accessoires pour les cheveux. Donc, ça m'a coûté 2,90 €. Hein, ce sont des bagues pour les cheveux, super jolies. Voilà. Ensuite, j'ai pris à 4,50 € du spray démêlant de Dark and Lovely. Donc, bon, c'est pas des produits très nature, très bons pour les cheveux naturels. Mais bon, c'est tellement la galère pour trouver sur place des produits pour les cheveux crépus que ben, j'ai pris. On verra si c'est vraiment pourri ou pas. Donc, c'est plutôt pour les enfants, hein, c'est pour démêler les cheveux et tout. Donc, moi, je l'utilisais pour me coiffer tous les jours. Donc, je vous ferai une revue produit sur le blog www.totalementslurry.com. J'utiliserai, je verrai l'effet sur mes cheveux et je vous ferai une revue produit. C'est la première fois que je teste cette marque Dark and Lovely et ce produit aussi. Donc, j'attends de voir ce que ça donne. Donc, 4,50 € et il y a 250 ml. Ensuite, j'en ai pris un autre qui est plutôt un hydratant. Donc, toujours de Dark and Lovely, toujours à 4,50 €. Et là, c'est un hydratant et qui apporte de la brillance. Donc, pareil, je vous ferai une revue produit. 4,50 €. Voilà. Donc, on va passer au surgelé. Donc, je vous dis déjà que ça va être compliqué parce que comme je n'ai pas les produits marqués à côté des prix, ça sera au pif, hein, comme d'habitude. Tout ce qui est surgelé et tout ce qui est épicerie, enfin fruits et légumes, c'est au kilo, c'est pas marqué sur le ticket. Donc, ce n'est pas évident. C'est vrai que pour tout ce qui est épicerie, il y a les étiquettes sur les produits. Pour le reste, je fais au pif. Donc, déjà, j'ai trois produits surgelés. Donc, il y en a un à 2,70 €. C'est sans doute le Saka Saka. Voilà, donc je vous expliquerai à la fin la différence entre le Saka Saka, le Ndolé et le produit que je vous montre de suite. Donc là, je pense que 2,70 € c'était le Saka Saka. Ensuite, 2,20 €, je pense que c'est ça, le Matambélé. Ensuite, j'ai 1,60 €. 1,60 €, je pense que c'est ça, hein, c'est le tarot. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai 5 €, désolé hein, pour les pauses, mais j'essaie de déchiffrer sur mon ticket de caisse, d'essayer de voir à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, j'ai 5,50 €, je pense que ce sont les crevettes. Donc là, 300 grammes de crevettes déjà décortiquées, blanchies. Donc voilà, j'adore les crevettes, hein, j'adore les fruits de mer et ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté. Donc là, chez Africa Cafumaru, ils ont des crevettes, je suis ravie parce que j'adore ça en salade, c'est une tuerie. Donc là, avec les poivrons, trop bon quoi. Donc je pense que c'est ça qui fait 5,50 €. Ensuite, j'ai un poulet, je pense que c'est 6,50 €. Donc c'est une poule ouverte fumée. Donc elle est ouverte et écrasée. Hein, c'est assez pratique pour la cuisson. Voilà. Donc là, il y en a 768 grammes. Je pense que c'est ça qui fait 6,50 €. Et ensuite, j'ai acheté du poisson. Donc là, ça m'a fait 13,80 €. J'ai racheté du Vivano et j'ai pris du Capitaine. Donc le Capitaine, je ne me souviens pas en avoir déjà mangé. Donc il y en a 640 grammes. Donc ça a l'air super bon. Voilà. Et je ne vous présente plus le Vivano, hein. Vous savez que c'est mon poisson préféré. Donc chaque fois que je vais chez Africa Cafumaru, j'en achète. Il y en a 640 grammes. Donc là, je vous ai dit que ça fait en tout 13,80 €. C'est hyper, hyper raisonnable. Voilà. Donc voilà mes courses du jour. J'en ai eu pour 105,60 €. Donc ça fait beaucoup en sachant que je ne mangerai pas tout cette semaine. Les fruits, hein, il y en a beaucoup. Donc les fruits à 0 €, hein, ils sont très abîmés, mais au frigo, je pense qu'ils se conservent encore. Il faut juste les couper, les nettoyer et ça se conserve.
Le poisson, donc chez Africa Kafuma, où j'ai quand même pris du poulet, des crevettes et deux poissons différents, je ne vais pas manger tout ça en une semaine. Donc je pense que j'ai fait de bonnes réserves en sachant qu'il me reste un tilapia, il me reste du maquereau qui est super bon, je vous le dis au passage. Et il me reste du bœuf et peut-être du colin. J'en suis pas sûre, mais il me semble qu'il me reste encore du colin, mais vraiment, je suis pas sûre. Je crois que j'ai tout mangé la semaine dernière. Donc voilà, donc beaucoup de produits transformés, beaucoup quand même de fruits également, légumes. Il y a de la tomate et des poivrons. J'ai de la banane plantain qui est plus glucide. En fruits, donc j'ai pris de la mangue, en plus des nectarines, de la pastèque et des abricots, et j'ai aussi une poire, du gingembre et de l'avocat. Voilà. Donc c'est mélangé, produits non transformés, produits transformés, 75% de black business, donc je suis contente. Donc entre épicerie afro et stand antillais guadeloupéen, je suis très 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 contente aujourd'hui. C'est mon but de consommer au maximum black business, donc je suis contente. Et je suis aussi contente d'avoir évité les grandes enseignes, les grands supermarchés. C'est bien de supporter les petits commerçants et d'aller au marché, ben vous ferez des économies. Donc j'ai pas acheté énormément parce que je suis arrivée en fin de marché, il y avait quasiment plus rien, ils remballaient quasiment tous leurs produits. J'essaierai d'aller un peu plus tôt et de varier les marchés entre Pessac, Mérignac Centre, Mérignac Montdésir, c'est mon secteur. Donc j'essaierai de varier, peut-être d'aller aussi de temps en temps au Capucin à Bordeaux parce que c'est hyper grand comme marché, il y a de tout. Je pense que les prix sont compétitifs aussi, donc j'essaierai de tenter. La vidéo fera 25 minutes, pas plus. Donc mon budget de la semaine c'était 105,60 €, donc c'est assez élevé, mais comme je vous dis, j'ai acheté des produits pour les cheveux, j'ai acheté aussi beaucoup de produits antillais, donc ben, c'est des petits stands. Donc, et encore, je dirais pas que ça coûte cher, je trouve que c'est hyper raisonnable. Chez Africa Kafumaru, comme d'habitude, j'achète cher parce que je prends beaucoup de poissons, beaucoup de produits qui viennent de loin, donc qui coûtent cher. Et comme il me reste 30 secondes, je vous explique la différence entre le ndolé, le matembélé et le sakasaka. Donc le ndolé, ce sont les feuilles de ndolé qui sont amères, qui viennent du Cameroun. Le sakasaka, c'est plus consommé au Congo. Et le sakasaka, c'est des feuilles de... Ce sont des feuilles de manioc, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, des feuilles de manioc. Donc c'est pas la même chose que le ndolé. Et pour finir, le matembélé, ce sont des feuilles de patates douces. Donc quand vous regardez, les trois se ressemblent. Je vais aller chercher le ndolé que j'ai pas encore consommé. Je vais vous montrer que d'aspect, on dirait la même chose, mais c'est trois choses différentes. Le ndolé, c'est les feuilles de ndolé. Matembélé, feuilles de patates douces. Et sakasaka, feuilles de manioc. Voilà, je vais chercher le ndolé, je vous montre ça et ensuite j'arrête la vidéo. Donc, le ndolé, ça ressemble à ça. Là, c'est... Il y a combien de grammes? 500 grammes, voilà, donc plutôt camerounais. Le sakasaka qui est plutôt congolais. Mais bon, c'est des feuilles de manioc, hein, donc on en trouve partout, même en Martinique. Donc là, il y en a, il y en a, il y en a. 500 grammes aussi. Et le matembélé, c'est moins, comment dire, il y a moins de quantité, c'est 300 grammes. Et là, c'est des feuilles de patates douces. Donc les trois se ressemblent l'un d'aspect, mais ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc ça va me faire un peu de légumes rafraîchissants pour l'été. Donc après, il faut juste que je trouve comment les cuisiner. Et voilà. Donc voilà pour ce retour de cours. Je ne sais même plus le combientième c'est. J'espère que je vous fais découvrir de nouvelles choses. Hein, ça change des retours de course habituels avec les produits qui se ressemblent. Tous de retour de course en retour de course, c'est... Enfin, moi quand je regarde les retours de course sur YouTube, des fois je me dis, mais on dirait les mêmes personnes qui font les mêmes achats dans des endroits différents, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Là, vous avez des produits afro, des produits antillais, j'espère que vous êtes contents de découvrir. Faudra que je pense à reprendre les recettes, je vais profiter de mes congés pour faire les produits afro surtout que j'ai achetés. Je vais essayer aussi des recettes antillaises, je vous montre ça bientôt. Allez! Salut!